Et puis notre page culturelle avec un nouveau style à la comédie française. À Memphis, il y a un homme d'une force prodigieuse. C'est le titre de la pièce d'un poète d'aujourd'hui, Jean Audureau, que les comédiens français viennent de créer sur la scène de l'Odéon. Une pièce très diversement accueillie par la presse et le public, mais qui possède, entre autres mérites, celui de l'originalité. C'est un reportage de Georges Bégout. Les comédiens du théâtre français dansent, boivent, se battent dans cette pièce baroque sur la vie de Ma Barker et de ses quatre fils, des gangsters qui firent trembler l'Amérique d'entre les deux guerres. Votre museau sent la pharmacie, les plombs de Vénélus veulent me faire courir. C'est une pièce qui a de quoi surprendre à bien des égards. Il ne s'agit pas là d'une pièce policière, ce n'est pas non plus un drame psychologique. Disons qu'il s'agit de l'évocation lyrique de la révolte des fils Barker contre une société de petits shérifs, petits juges, petits bourgeois. L'histoire est racontée par un journaliste, témoin et ami de la famille, interprété par Jacques Toja. Ce qui m'a intéressé avant tout dans cette pièce, c'est d'abord que c'est une création. Nous faisons assez peu de créations à la Comédie Française, donc l'occasion nous était offerte de pouvoir créer une très grande pièce, un très grand spectacle, très grand à plusieurs niveaux. C'est d'abord une pièce forte où il y a trois grands actes, il y a beaucoup de décors, il y a de la musique, il y a de la danse, mais bien sûr il y a avant tout un merveilleux texte, le texte de Audureau qui est un poète et qui arrive avec les mots les plus simples à transcender une histoire assez fabuleuse, l'histoire des Barker, famille de gangsters américaines célèbres dans les années 20 et les années 30. L'arbre de vie fleurit dans la plaine, Herman. Et que signifie ? J'ai pas le temps de vous expliquer, monsieur. Quelle heure est-il ? Minuit 25 minutes. Ah, minuit 30. Allez, partage encore une fois notre jean, docteur. Il nous reste un peu de temps. Kay Barker sera là dans quelques instants. Je boirai volontiers avec vous, mais avant, expliquez-moi. Quoi, que voulez-vous savoir? Ce que veut dire l'arbre de vie fleurit dans la plaine. C'est le passage d'un cantique que les enfants Barker chantaient dans leur enfance. À Web City. Il faudrait interroger l'oiseau solitaire. Le seul vous dirait combien nous vous aimons. Marqué par cœur.